Bienvenue sur le Pokémon Present du 27 février 2024. Les nouvelles annonces, les nouveaux jeux, les actualités et les updates. Bienvenue pour voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Merci Jusalis pour tes subs sur Twitch, puisqu'on vit tout ça en direct comme d'habitude. Ah, la petite musique. Franchement, ça c'est la musique de Pokémon Jaune de l'époque. Hello everyone. I'm Ishihara from the Pokémon Company. Attends, je vais peut-être enlever, parce que du coup, c'est sous-titré déjà en français. This is the date that the Pokémon Red and Pokémon Green games were first released in Japan. Our adventures with Pokémon, which started with the simple fun of collecting. Ah oui, c'est la musique de base, c'est la vraie musique celle-ci. Pokémon Green games have expanded to fit into so many facets of daily life, including walking and sleeping. We'll keep challenging ourselves to create new ways to enjoy Pokémon, and we hope you'll continue your adventures with us. Today, we will be bringing you all the latest news about Pokémon. Allez, Pokémon rouge, bleu et jaune dans Nintendo Switch Online, c'est très bien ça, c'est très bien. Voilà. Allons-y. Hello, I'm Utsunomiya from the Pokémon Company. I hope everyone has enjoyed their adventures in the Pokémon Scarlet. Oui, c'est bon, allez, tournez la page Pokémon Écarlate et Violet, c'est bon, allez. To commemorate Pokémon Day, we've planned a series of Terra Raid battle events. Oui, oui, non, mais voilà, tournez la page. Face off against a mighty Venusaur, Blastoise and Charizard. C'est très bien. The first of these Terra Raid battle events. Voilà, contourne la page avec cette génération et puis ce sera très bien. We hope you will all enjoy these raids. Today, I'd also like to share the latest updates on a number of our other games. D'autres jeux. Please have a look at this. Bon, de toute façon, on va se taper le Pokémon Masters EX, etc. au niveau des mises à jour, Pokémon Go et tout, comme d'habitude. Ça, c'est évident. Voilà, c'est la base, hein, c'est logique. Ils mettent à jour leur titre actuel, et puis après, on parle des nouveautés. A collaboration event with Pokémon Go is on its way. Non, mais c'est pas que je suis vénère contre Pokémon Écarlate et Violet, mais je suis content qu'on tourne la page. Genre, vraiment, voilà, faut passer à autre chose maintenant. Voilà. Ça fait un bout de temps maintenant. Donc qu'on passe à autre chose. Parce qu'ils l'auront quand même bien essoré leur Pokémon Écarlate et Violet. Hein. Après, il s'est très bien vendu aussi, hein, faut le dire. Hein. Évidemment. Charcadet, Armor Rouge et Cerulege sont coming too. And Liko and Roy will be dropping in when you snap a pick and go snapshot. Après, tant mieux pour ceux qui l'ont adoré aussi. Hein. Moi, j'ai passé un très bon moment dessus. Maintenant, pour moi, il y avait beaucoup de défauts aussi. Mais je l'ai fait en intégralité aussi, tu vois. Donc, voilà. J'aime bien les trucs de transition, ils ont changé. J'ai beaucoup joué à Pokémon Sleep, donc on va voir un petit peu les mises à jour aussi. Parce qu'en fait, Pokémon Sleep était très sympa au départ, et je trouve que sur le long terme, c'était l'évolution était trop lente. Mais c'était très sympa, Pokémon Sleep, à faire. Bon, si t'avais vraiment la petite Pokéball toute plate sur ta table de nuit aussi. Hein. Parce que clairement, avoir ton téléphone sur le lit et tout, c'était pas ouf. Mais l'évolution était trop lente au bout d'un moment, vraiment. Du coup, on va avoir des légendaires, très bien. Ok, il y a les légendaires qui arrivent dans Pokémon Sleep, ça c'est cool. Voilà, ouais. Au moins, je trouve qu'ils balancent très très vite. Ah bah tiens, très bien. Très bien, ça m'arrange. Ils balancent très vite leurs trucs là. Les transitions sont super cool là. Eh, ils t'ont expédié Pokémon Go, Pokémon Sleep et Pokémon Masters EX, là, à mon avis, en 3 minutes. C'est très bien. C'est très très bien. Parce que ça veut dire que derrière, il reste des choses intéressantes. Hein. Là, ils te le balancent. Hein. Parce que le direct dure apparemment 12 minutes et quelques. Donc là, on est déjà à un tiers. Ah mais là j'ai l'impression que ouais, ils ont pas le temps de niaiser quoi, genre vraiment ils t'ont expédié les 3 en 4 minutes. Allez vas-y, balance-nous la suite maintenant. Ah oui, il y a celui-là aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a Pokémon Café Remix aussi. Avec Mordudor du coup. C'était sympa à jouer ça, c'était pas transcendant non plus, mais bon. Disons que pour une petite partie comme ci, comme ça, c'était sympathique. Maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de le bazarder là. Non, c'est quoi ce truc? Bah c'est Pokémon Café Remix, c'est un jeu qui est disponible sur Nintendo Switch et sur mobile aussi. Et c'est pas transcendant, mais c'est sympa. Voilà. Ah oui, il y a aussi Pokémon Unite. Normalement, il devrait y avoir aussi une mise à jour pour Pokémon Unite aussi. Ouais, c'est possible. Voilà, bien joué. Bien joué. Donc un tiers sera concentré à toutes les mises à jour.
Et alors, dites-moi, on est ensemble là sur le direct. Je sais pas combien vous êtes, d'ailleurs, vous êtes beaucoup avec moi sur le direct, je crois. Vous êtes plus de 500, donc merci beaucoup. J'ai vraiment l'impression qu'il te bazarde tout là, en très très vite. Tu vois, genre, ça va super vite. Genre, vraiment. En 5 minutes, on a eu 5 ou 6 mises à jour de 5 ou 6 jeux. À mon avis, moi je trouve que c'est un bon signe. J'espère que c'est le cas, tu vois. Merci Titi qui a offert 5 subs, merci beaucoup. Ah ouais, non mais attends, c'est incroyable. 5 minutes 30, ils t'ont déjà expédié tous les jeux avec lesquels ils voulaient faire des mises à jour. Allez, ouais. Ça y est, toutes les mises à jour ont été expédiées. Allez, vas-y, faites-nous kiffer maintenant. Moving on, please have a look at this video. Vas-y. Vas-y. Ah oui, il y a aussi la nouvelle application du jeu de cartes, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je suppose qu'ils l'ont bien mis à jour pour ça, pour le TCG. C'est vrai qu'il y avait ça aussi. Bah c'est leur nouveau TCG online. Ouais. C'est vrai. Elles sont... Eh, franchement, c'est stylé. Les animations sont stylées. Les cartes sont jolies. Ah, mais le TCG Online est très sympa à jouer. Hein. Bon, on rappelle quand même que Pokémon, le jeu de cartes à la base, c'était pour y jouer au jeu de cartes. Hein. Même si beaucoup, maintenant, ne font que collectionner. À la base, c'est pour ça. Ça sert à ça. Voilà. Oui, ça se joue. Voilà. Je sais que beaucoup m'ont oublié avec les scalpers, mais ouais, ouais, ça se joue. Les cartes sont très jolies. Oh. Alors, je sais pas à quoi ça sert, mais pourquoi pas. Bah au moins là t'auras pas de scalper, au moins. Ils prennent du temps dessus. Hein. À mon avis, il doit y avoir masse de microtransactions dessus. Pokémon Pocket. Ils ont appelé ça Pokémon Pocket, du coup. 2 boosters par jour sans frais. Ok. Ok, d'accord, très bien. Bon, allez, il nous reste 5 minutes. What you just saw was the world's first look at Pokémon Trading Card Game Pocket. This game lets you easily collect Pokémon cards, which players all over the world have enjoyed since they debuted in 1996, but in a new digital format. The Pokémon Company is developing this game as a three-party collaboration with Creatures Inc., the creators of the Pokémon Trading Card Game, and DNA, our partners in the development of Pokémon Masters EX. To mark the launch of this title, here's a message from Mr. Yuji Kitano. Mais j'y jouerai, franchement j'y jouerai parce que je suis content que ça revienne dans une nouvelle forme. Hello everyone, I'm Yuji Kitano from Creatures Inc. On l'a jamais vu. I'd like to start by thanking everyone for enjoying the Pokémon Trading Card Game. With Pokémon Trading Card Game, ah, il y avait la mallette aussi qui avait été mise en précommande. So we are hard at work developing digital cards. Moi, je pense pas qu'on ait l'annonce du prochain jeu Pokémon dans ce direct. On en avait déjà un peu parlé. Je pense pas qu'on ait, ou alors juste un truc en mode « nous développons le prochain », tu vois. Moi, je pense pas. Je pense qu'il va y avoir une annonce autour soit d'un remake, soit d'un portage sur le Nintendo Switch Online, et que ça se terminera comme ça. Tu vois. Mais je pense pas qu'il nous parle aujourd'hui du prochain jeu Pokémon. Je pense pas. En tout cas, il passe beaucoup de temps sur le jeu de cartes. Il doit vraiment y tenir beaucoup, beaucoup. Which give players the experience of leaping into the world of the card illustration. What's more, we've developed new streamlined game rules based on our existing battle system, so you can enjoy a quick battle during the free moments in your day. Bah c'est soit ça, soit Clash Royale. Hein. Tu pourras faire des parties rapides comme Clash Royale, hop là, tu te dépêches, tu vois. For those of you who already enjoy the Pokémon trading card game, as well as those who've never played before, we hope you look forward to the results of our latest efforts in the world. Bah, ils ont accès sur un truc qui pouvait être gratos, facilement accessible et rapide. Thank you so much. Allez, il nous reste un peu plus de 2 minutes. Mr. Kitano.
qu'est-ce qu'on va avoir? Un peu plus de 2 minutes. Allez. Hey, il peut se passer plein de trucs en 2 minutes, hein. Please look forward to more details in the future. Alors. Just one more thing. We'd like to end today's presentation Allez. With one final video for you all. Ah, fais-moi plaisir, s'il te plaît. Thank you for tuning in. Ok, c'est la dernière vidéo. 2 minutes 30 de dernière vidéo. Alors, une vidéo de 2 minutes 30, ça ressemble à un trailer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble à un trailer. C'est à peu près la durée classique des trailers. Donc, c'est le trailer d'un jeu, c'est sûr. Maintenant, lequel? Grosse question. T'as dit, il est tout seul derrière. Je croise les doigts pour un argent et or aussi. En tout cas, il est tout seul, lui. Et ben voilà, ça se terminera comme ça, c'est ça. Pendant 2 minutes. Allez, vas-y. Allez, faites-nous plaisir. Bon, déjà, c'est Game Freak. C'est pas LCA, je sais plus comment il s'appelle. Déjà, ça ressemble à Pokémon Legends. Non? C'était pas le truc de Pokémon Legends, ça? Plan de réaménagement urbain. Ça ressemble à un nouveau Pokémon Legends, ça, non? Ça ressemble à un nouveau Pokémon Legends, on est d'accord. C'était la même présentation, un peu. C'est l'écriture de Pokémon Legends, ouais. Wow, c'est quoi ça? Ah, ils ont fait un mélange avec Tron, quoi. Wow, c'est quoi ce délire? Ah, c'est Tron, vraiment. C'est quoi ça? Ah, ça va être un... Attends. What? C'est stylé. C'est la tour Eiffel? Ah mais attendez, c'est Unis. C'est Unis ça, c'est la tour d'Unis. Ça va être un Legend dans le futur. Ils vont... Legend... Ah, ça c'est génial. Z. Moins. C'est incroyable. Alors, on sait absolument rien du jeu mondial 2025. Ça sent le... Voilà. Alors, on ne sait absolument rien. Par contre... Ah, attends. C'est tout ? C'est tout ? Ça se termine comme ça? Alors, méga évolution, oui, mais ça se termine comme ça, genre vraiment. Genre, ça se termine comme ça. D'accord, bah très bien. Bah ok.